Il va y avoir des élections en 2014, au mois de mai, des élections européennes. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous espérez? Ou au contraire, qu'est-ce que vous redoutez de ces élections de l'année prochaine? Pour moi, ce sont des élections fondamentales, très très importantes, parce que vous savez que l'Union européenne, notre commission, conduite par le libéral Barroso, a commencé des négociations d'un traité transatlantique, d'un traité de libre-échange avec les États-Unis. Et pour moi, ce traité ne doit pas voir le jour. L'Union européenne le souhaite, ce traité. Mais parce que la majorité aujourd'hui en Europe est très libérale, mais pour moi, ça c'est la mort politique de l'Europe. Donc vous êtes contre ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis? Pour des raisons évidentes, c'est-à-dire c'est l'ouverture de notre marché à des produits que nous n'aimons pas, le bœuf aux hormones, les OGM, et une façon de produire les poulets qu'on trempe dans l'eau de Javel plutôt que de surveiller toute la chaîne de production. C'est donc un monde, c'est deux mondes qui se confrontent. Et nous, au sein de l'Union européenne, nous souhaitons un monde où les citoyens ont une autre protection. Enfin, en même temps, dans un univers mondialisé, il n'est peut-être pas complètement aberrant, je me fais un peu l'avocat du diable, mais que deux grands blocs commerciaux essayent de s'unir pour être en bonne concurrence vis-à-vis des nouveaux émergents. Qui couvre 70% des échanges mondiaux. Je veux dire, c'est beaucoup trop important. Vincent.